Donc là, les amis, je suis en train de tester Metadata plus. Donc vous avez vu qu'avec la dernière version, je suis sur Windows 10, mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air d'effacer, donc quand je sélectionne effacer tout. Donc je me suis dit, je vais installer l'autre version, puisque j'avais déjà testé ce logiciel avec cette version là et pas la dernière qui est en 2022, sur un Windows 7, et ça avait parfaitement fonctionné. Mais là, apparemment sur Windows 10, eh bien ça ne veut pas. J'ai essayé avec un fichier MP4 au début, vous avez vu, j'ai essayé avec un fichier, là à l'instant, AVI, et c'est pareil, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, est-ce que maintenant ça vient de Windows 10? Voilà, mon avis est mitigé. Donc là, en fin de compte, quand vous ouvrez le logiciel, par rapport à l'affichage ici que vous avez, vous obtenez ici les informations. Vous avez vu, là je me suis mis en affichage détaillé et j'obtiens bien dans cette fenêtre de droite, contrairement à celle de gauche ici, les informations sur le média que je sélectionne ici. Si je fais ça, vous voyez. Mais si je me mets en position ici, en position que je retrouve, comment je vais faire? Je vais faire ça. Non, si je fais un clic là, voilà, ici View, en fin de compte, voilà, vous, grosso modo, vous cliquez ici dans le vide, là où il n'y a rien. Et View, si vous mettez comme ça. Alors, bizarrement, tout à l'heure, j'avais rien ici. Maintenant, j'ai quelque chose. Si je fais ça. Ok, bon, maintenant, bizarrement, j'ai quelque chose. Tout à l'heure, j'avais rien dans la fenêtre. Bon, allez comprendre quelque chose. Donc, bref, si vous avez, si vous ne voyez pas ici les informations, eh bien, essayez de faire, de changer la vue et peut-être que ça marchera. Donc, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Même avec l'ancienne version sur Windows 10. Donc, je vais faire ça. Je vais redésinstaller l'ancienne version. Je vais réinstaller donc la nouvelle. Et je vais essayer de recommencer, après j'arrête. Et vous allez voir, donc, ou en conclure ce que, la conclusion, on va dire ça comme ça. Donc je désinstalle, je remets la dernière version et je reprends. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, là, j'ai installé donc la dernière version. Et regardez, hop, vous avez vu, là, je n'ai rien, là. J'ai rien qui s'affiche. Même si je clique ici, je le sélectionne une seule fois, vous avez vu que j'ai pas d'informations qui viennent dans la fenêtre de droite. Bon, c'est un peu bizarre. C'est ce que j'essayais de vous faire comprendre. Alors, au début, quand vous l'installez, vous n'avez rien. Donc, vous vous dites, tiens, il n'y a pas de métadonnées dans ce fichier. Mais bizarrement, quand vous faites ça, propriété, vous avez quand même des métadonnées. Si vous avez le détail là, vous avez des métadonnées inscrites. Donc, on pourrait croire que ça ne fonctionne pas. Que l'affichage des métadonnées, même en sélectionnant, on n'a rien à la fenêtre de droite. Alors, si je fais ça, un clic droit, ici, pas sur un fichier, bien entendu, pas toujours évident quand c'est plein. Donc, on fait ça dans le vide. View, on peut très bien aussi le faire en haut, je crois. Alors, c'est où en haut? C'est. Alors, je vais faire ça. Display file as a detailed table. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, c'est où pour faire les vues là? C'est où pour faire les vues? Folder. On doit pouvoir faire ça quelque part. Voilà, vue là, ici, c'est là en fin de compte. Voilà, les vues. Si vous voulez voir comme ça, bref. Bon, quand vous faites détail, donc ça donne ça. Et là, pour l'instant, bizarrement, on n'a rien du tout là. Alors tout à l'heure, je les avais sur l'ancienne version. Donc moi je soupçonne que le logiciel cafouille. Hein. Cafouille sur Windows 10. Maintenant, je ne vais pas essayer sur Windows 7. Et ni sur Windows 8, puisque j'en ai plus. Après, il faudrait que j'essaye sur VirtualBox, mais bon, je ne vais pas trop me prendre la tête. Donc pourquoi ça fait ça, j'en sais rien. Tout à l'heure, on les avait là, le détail, maintenant, on l'a plus. Bon. Alors, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de relancer, peut-être. Si ça merdouille. Alors, est-ce qu'il va me les faire voir?
Alors après, je comprends toujours pas pourquoi là on est en rouge. C'est surligné en rouge, c'est écrit en rouge. Pourquoi là c'est en blanc, en rouge? Est-ce que ça veut dire que le rouge on ne peut pas modifier? Bon, alors pourquoi je ne vois pas? Qu'est-ce qui me fait celui-là? Bon, alors je vais recommencer avec les vues. Hop, je vais faire ça. Non, tu veux pas, tu veux toujours pas. Pourquoi tu veux pas? J'en sais rien. Détail, ok, bah, j'ai dit détail. Hein. Oula, maintenant il m'a carrément. Détail. Bon, alors maintenant j'ai carrément. Je vois plus carrément le titre, il est mâché. Oula, qu'est-ce qui m'a fait le truc? Bon, c'est un peu le gange. Hein. Désolé, hein, c'est pas moi, c'est le logiciel qui merdouille un peu là. Pourquoi il me fait ça? Alors maintenant, vous voyez, hop, il se remet bien. Bon, et comprendre quelque chose. Bon. Alors, tu vas me l'afficher ou pas? Bon, il veut pas. Bon, je réessaye une dernière fois, après j'arrête. En tout cas, sur Windows 7, ça marchait. Hein. Ça fonctionnait. Remove metadata. Oui, allez, hop. Je t'ai dit oui. Non, non, je veux tout effacer. Oui, j'efface. Est-ce que ça marche? Non, ça n'a pas l'air. Bon, si je fais ça. Oui, j'ai dit effacer. Bon, pourquoi il veut pas? Ah. C'est quoi ça? Oh le machin. Alors il y en a partout des boutons, hein, vous avez vu. Hein. All metadata will be deleted. Oui. Bon. Pourquoi je n'ai pas. On va rafraîchir le tout. Non, ça ne veut pas fonctionner. Bon, écoutez. Je vais redémarrer, je regarde à nouveau et après j'arrête. Et bien vous en conclurez ce que vous en conclurez. Bon, bah c'est pareil, hein. J'ai redémarré, c'est pareil. Ça n'affiche plus ici le détail, hein. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure ça marchait, ça marche plus. Je ne sais pas. Rafraîchir, refresh, ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai beau changer de vue ici. Ça n'a pas l'air de vouloir reprendre en compte. Bon, je ne sais pas pourquoi. Détail, non. Bon. Et voyez, bizarrement, maintenant, ça me fait des trucs là. Alors, vous avez vu, là, je suis en détail. Maintenant, le titre ici, vous avez vu comment on le voit? Donc, il faut que j'aille là-haut pour étirer les onglets. Je me remets sur titre. Je me remets sur détail. Non. Non, toujours pas. Non. Tu veux pas? Non. Oh, ben, je vais redémarrer. Bon, ben, pour moi, c'est le programme qui merdouille. Hein. Donc, je redémarre. Et là, hop, bizarrement, dis donc, maintenant, vous avez vu, la vue, c'est pas pareil. Hein, on n'a plus ces espèces de petits trucs là, des petits. Voilà, maintenant, on peut faire ça simplement. Et pourtant, je suis bien en détail. Et toujours pas de. Non, toujours rien ici. Bon. Pourquoi ça ne veut pas? Bah pour moi, le programme, il merdouille, hein, c'est tout. Je ne veux pas chercher plus loin. Je vais essayer de voir ceci en hors vidéo. Et éventuellement, je referai une vidéo. Donc là, pour l'instant, bah, je ne vais pas attribuer de notes, de bonnes notes à ce logiciel, puisque ça n'a pas l'air de fonctionner, tout au moins sur Windows 10. Voilà, je vous montre le thème pour changer. Pareil, le thème ici. Hein. Bon, pareil, c'est pas bien fait. Hein. Je ne sais pas si ça merdouille. Donc, c'est tout simplement. J'avais dit ici dans Setup. Voilà, vous allez dans Setup, vous allez ici dans Dark Mode. Et là, vous pouvez modifier. Alors, je suis passé de Dark Mode à Simple Mode. Si je fais ça. Si je fais ça. Ça fait ça. OK. Si je retourne ici. Dark Mode, Enable Dark Mode. Et tout à l'heure ici, j'avais des choses ici par défaut. Là. Et le problème, c'est que je ne sais plus comment que c'était. Bref. Et le problème, c'est que bah, je suis passé du mode Dark en mode normal. Et ça m'a foutu un mode Dark, mais pas comme il était juste avant que j'ai changé. Donc là, si je le remets, maintenant là, je ne vais pas remettre parce que je ne sais plus comment que c'était. Si je fais oui, vous voyez, maintenant j'ai du violet là. Bon, après, il suffit de changer la couleur, hein, mais. Vous voyez, ce n'est pas revenu comme c'était avant. Bon, bon après c'est pas grave, hein, c'est mauve ici en tache de fond, c'est pas grave. Le fond étant mauve, c'est pas grave du moment que c'est lisible, etc. Bon, c'est un petit détail, hein, mais bon, vous voyez, mémoriser. Ce que je vais vous dire, c'est que essayez de mémoriser si vous voulez changer ici, essayez de prendre une photo ou de faire une capture d'écran, à savoir comment que c'était. Après, c'est pas dur, hein. Bon, alors là, c'est pas marqué en français, hein. Malheureusement, le logiciel n'est pas traduit complètement en français. Application button, bah, il suffit de mettre voilà, de choisir la couleur, mais bon. Bref. Donc voilà, ouais, et bah toujours pas de. J'ai toujours rien ici. Bon, allez chercher l'erreur. Hein.
comme dirait l'autre.